La personne qui se pose la même question. Qui sont les 144 000 de l'Apocalypse? Les fameux 144 000. Okay. Donc, une question de Gisèle. C'est une bonne question. Est-ce que c'est littéral ou symbolique, finalement? OK. 144 000, donc, notre auditrice fait référence à des textes qu'on trouve dans l'Apocalypse. Il n'y a que l'Apocalypse. Ouais. Voilà. Le dernier livre de la Bible qui parle de 144 000. Il y a deux textes. Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Qui sont-ils? Ils semblent être des bienheureux, en tout cas, parce qu'on les présente de manière extrêmement positive. Qui sont-ils? D'abord, première question que tu as posée, c'est est-ce que 144 000, c'est symbolique ou est-ce que c'est littéral. Un chiffre, un nombre littéral? C'est ça. Bon, on va dire qu'on va laisser la réponse au Créateur qui, lui seul, sait de qui il s'agit exactement. Mais on peut quand même fortement soupçonner que c'est un nombre symbolique. Parce que 144, qu'est-ce que c'est 144? 12 fois 12. C'est 12 fois 12. C'est ça, exact. Et qu'est-ce que c'est 12, Sylvain? Ben, le 12, ça représente à quelque part un peu comme les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. OK, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. Donc, 12, c'est le nombre de... Les disciples, moi, je... Non, 12, je pense que ça représente l'autorité divine. OK, L'alliance. Voilà. 12, c'est le nombre de l'alliance, c'est le nombre du peuple de Dieu qui a fait alliance avec Dieu. Donc, 12 fois 12, on va dire c'est le peuple de Dieu dans sa plénitude. Puis, 144, 1000. Alors, 1000, qu'est-ce que c'est dans la Bible? 1000, c'est un nombre pour dire beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, 144 000, ça veut dire... C'est le peuple de ceux qui ont fait alliance avec Dieu, les vrais croyants, les vrais chrétiens. Et ils sont nombreux, parce qu'ils sont 144 000. C'est la multitude de ceux qui ont fait alliance, exactement, fond, avec exactement. Dieu. Exactement. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille prendre ce nombre-là comme un nombre littéral. C'est quand même très encourageant, parce que ça veut dire que ceux que Dieu pourra prendre dans son royaume sont nombreux, très nombreux. Oui. Même si Jésus dit que le chemin est étroit, que ce sera sans doute pas la majorité, il y aura quand même beaucoup de gens dans le royaume de Dieu. Mais on le voit dans l'Apocalypse, c'est des myriades de myriades. Voilà, on voit que c'est une foule énorme. Oui, il y a d'autres textes aussi dans le Nouveau Testament qui nous dit qu'ils vont arriver du nord, du sud, de l'ouest, de l'est à la table. Et alors, il y aurait plein de choses à dire sur les 144 000. En deux mots, ce ne sont pas seulement des Juifs, comme certains le pensent. Ce sont vraiment des gens de toute nation, toute langue, tout peuple. Surtout, la chose la plus importante, la plus intéressante, c'est qu'ils ont inscrit sur leur nom, sur leur front, le nom de Dieu. Qui représente finalement un peu le caractère de Dieu. Qui représente deux choses. Premièrement, le nom de Dieu sur leur front, ça veut dire qu'ils appartiennent à Dieu. Ils lui appartiennent vraiment. Il y a une appartenance. Et deuxièmement, ça veut dire, oui, le nom représente la personne, le caractère. Donc, leur vie, leur caractère ressemblent à celui de Dieu, même si Dieu est Dieu et nous sommes des hommes. Mais ils ont été transformés à son image. Amen. Et on reconnaît la présence de Dieu dans leur vie. Voilà en deux mots ce qu'on peut dire des 144 000. Après, je pense que je vais faire un jour une émission là-dessus. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ça, c'est intéressant.